testing. 1, 2, yeah. Oh, 1, 2, testing. Là, on est bien, on est un peu dans le cocon, mais c'est bon, ça y est. Déjà, on prenait l'expérience par rapport au café qu'il tient, franchement, nouveau, quoi. De rien dire, fait qu'il disait en place depuis un moment. Donc, c'est intéressant, pour moi, dans ce sens-là, on rentre dans un truc qui déjà, tout fait. Mais moi, s'il y a déjà mort aussi, quoi. Il s'est assez, il y a assez vite. Et après, il a découvert des mains avec Kelly, quoi. Et tirer ça une envie personnelle, travailler en libre, loin des affaires, finalement. Et Café Kiltier a offert parfaite opportunité pour faire, en fait. Il y a un style qui rapproche nous beaucoup. Bon, maman fait du reggae, il fait le soul. Il compte écouter reggae, moi aussi, je compte écouter soul. Tu vois? C'est un style qui rapproche nous. Et voilà, et aussi, nous sommes nous enfants du Sud. Ouais. Premier. Après mes affaires, qu'on s'abuse, qu'on va dire, ouais, voilà. C'est qu'ils nous sont aussi dans la même base, quoi. Moi, personnellement, ma vie dans la collaboration, ben, moi, pour apprendre de ce vocal, premièrement, en fait. Nous pensons en qu'une santé, tout d'accord, qui compte écouter, tout aussi bien écouter, pour nous écouter, pour nous imiter, en fait. Tu connais, là? Techniquement pas, alors, moi, il y a des quoi pour tirer et cli pour me casser la vie pour moi après, personnellement, quoi. Bon, Hans, c'est, voilà, c'est un vocal autonome, quoi. C'est un du monde qui sente marie bien, qui a une marie justice, qui, voilà, qui, à chaque fois que tu écoutes, tu te transportes avec lui, de par sa façon de chanter, et la façon de se société qui m'a marie kiffé. Et voilà, et c'est ça qui m'apprend de Hans, parce que Hans, c'est une façon de chanter qui est propre à lui, comment? Déjà, moi, extra content. Moi, pensé troisième fois, moi, je fais café qu'il tire, mais cette fois-ci, en tant que coach, c'est Marie Lenay, Marie Plaisir, mon capable encore dans les coulisses de café qu'il tire. Coaching, pour moi, ça fait à peu près 8-9 ans qu'il me design coach. Donc, l'avantage qu'il m'a eu, c'est professionnel, nous, déjà travaillé ensemble. Donc, ça se passe super bien avec mon évêque. Mais avec Anne, c'est elle lutte l'école, elle lutte l'approche, elle lutte l'attaque. J'ai envie de plus passer le temps avec Anne pour comprendre les plus. Donc, nous avons une occasion individuellement pour nous partager, pour causer un peu qui y était. Donc, mon coaching, c'est surtout la personne individuellement. Mais surtout, ça, dès là, ce qui me content, c'est des personnalités différentes, des thèmes de voix différents et essayer trouver une symbiose ensemble. Donc, c'est un peu le rôle que moi, dans Café qu'il tient cette fois-ci. Mon copain, c'est une qui a fait faire, ça m'a fait qu'il dit, fait mon faire. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est digne des meilleurs coachs, quand je dis. Moi, personnellement, je me dirais que c'est le meilleur coach qui me dit. En plus, c'est une chanteuse, brûle de talent. Et travaille en ligne, comme on m'a envie de dire, il tire tout ce qui nous passe, peut nous gagner pour tirer, au fait. Vocalement parlant, quand il parle plus trop, enfin, je supposais qu'on chantait. Ouais. Mais quand je dis, il est assez ouvert d'esprit pour focus sur les autres affaires, les autres aspects de l'artiste qui nous faisait améliorer pour faire ça, une pli bon en cours. Ouais. Et Lindsay, quoi. Lindsay, moi, mon connu Lindsay, enfin, nous faisons un café qu'il tient, comme nous disait allé là. Lindsay, bon, c'est une personne qui tout apprend qui tient d'elle. Il n'y a pas de monde, comment dire. Si y a un monde qui est ouvert, qui voilà, il est là pour partager, il est là pour apporter tout savoir faire quoi. C'est avec ce corps qui est non et aussi comme coach et dans la vie réelle, il dit c'est un coach vocal aussi. Ouais, le coaching il consiste surtout à prendre la personne. Pour moi dire un taillé ou bien un couturier. J'ai besoin de matière pour être capable de travailler.
Donc pour moi, l'avantage qui m'a avec ces deux-là, c'est mon papa disait prend un zéro. Le coaching prend un zéro, c'est montrer des gens comment respirer, c'est montrer des gens comment véhiculer ma note, comment pour articuler, comment prononcer. Donc ça, c'est des affaires qui m'ont fait avec qui pas vraiment connaît la musique, qui pas santé, qui pas dans le métier. Mais c'est dans le design un thème vocal, le design un courrier, donc il facilite mon travail. Mais pour moi, si moi pour rendre en profondeur avec Bana, c'est surtout bien souvent oublier si vous avez respiré, moi penser l'hypothèse du monde. Aussi, ce qui m'a remarqué, des fois, nous être intimidés par l'autre. Ça veut dire Mervyn pas intimidé par Hans, Hans pas intimidé par Mervyn. Mais de trouver ça juste le milieu, comment on peut dire. Et surtout, l'attaque des chansons. Parce que, comme je disais, toi, des fois, me vient les pistes en layback, ancienne boule d'énergie, végale devant, donc tout ça juste au milieu-là. Et essaye, propose un peu de jeu scénique. Donc, ça, c'est un gros challenge, selon moi. Mais ouais, nous commençons à travailler un peu grand matin, là, moi, j'espérais qu'ils ont fait en pratique. Pour une compagnie comme Phoenix Bell, créer une plateforme comme Café Guiltier. Ouais, ben une fin d'affaire quoi. Donc, moi pensé, ouais, moi personnellement, qu'à dire, grateful quoi. Ben merci pour la peau dans le secteur musical. Moi, c'est une plateforme quand j'ai le plus cher prénom. Moi, comme nous avons gagné dans le pays jusque maintenant, quand j'ai fait le mélange des bandes artistes, des bandes univers à ce point-là. Ouais, moi, je suis content de mettre là en face, je sais que l'univers là, parce qu'il est vrai qu'il s'accorde dans l'univers. Bon, nous avons demandé de concerts, plusieurs concerts, nous avons concert Hans, nous avons concert Prophéties, nous avons plusieurs concerts, nous avons plusieurs univers. C'était Mazin Zut avec un mélange. Oui, mais bon, définitivement, Phoenix Bell a un impact parce que c'est l'opportunité qu'il peut donner dans quatre cafés qu'il tire, qui bat un artiste qui n'est pas forcément dans le même univers. Zwen et Ozwen, parce que quand même la proposition se fait, tu n'as d'accord, accepté ou pas, mais Ozwen est de l'univers différent et faire quelque chose qui est extraordinaire. C'est qui me contente déjà avec Hans et Mervyn à la seconde qui ne peut se faire connaître qui le 28 et même a fait 3 ans après, tu as une close down, tu es habillé. Donc tu vois qu'il y a ça l'engouement là et l'encouragement du public qui ne comprend surtout l'idée derrière. Si vous prenez une surprise, bien sûr, vous prenez une surprise parce que nous avons des années de surprise. Oui, nous. C'est sûr, mais il y a moi avec tout le monde, pas oublié. Le 28, moi, vous êtes présence. Hein? Donc, le 28, full of surprises, nous sommes là-bas.